for you to share your blood with the community? Well, any chance you get to give back to the community is a big thing, right? Blood's the biggest thing that you can give anybody. So a chance to give someone life or give someone health that they might need or whatever. So, and I mean, athletes and stuff like that, we usually have pretty good blood for donations. So we don't travel much or anything like that, and we usually take pretty good care of ourselves. So it's always important to do that. That's very great. Thank you very much for your contribution, which is quite important for some of those who need it the most. Thank you. Quelques fois, tu viens ici à cet événement-là particulier. Oui, depuis mon arrivée avec les Alouettes, en fait, à chaque année, j'essaie de m'impliquer. C'est une belle cause, c'est quelque chose d'important. Si on regarde les statistiques, pour arriver à combler les besoins des hôpitaux, il faudrait 1000 donneurs par jour dans les collectes de sang à Hémo-Québec. Donc, c'est important aujourd'hui d'aider les gens, de les inciter à venir donner du sang et à donner généreusement parce que c'est une cause qui est importante. Puisque tu fais très bien, soit dit en passant, on sait qu'un don de sang sauve 4 vies, donc ça fait toute une différence en même temps. Exactement. Puis c'est important aussi pour les Alouettes de Montréal de s'impliquer dans cette cause-là. On essaie vraiment de changer un petit peu des choses dans notre communauté. Souvent, on s'implique dans les écoles, on s'implique auprès des jeunes. Là, c'est une cause un peu différente, mais ça aide à sauver les vies. Donc, c'est important pour nous. Parle-moi un petit peu de ton implication communautaire, parce que Étienne Boulay, le joueur des Alouettes, s'implique beaucoup dans la communauté. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Ben écoute, je me considère comme quelqu'un qui a une belle enfance. Je pense que j'aime beaucoup m'impliquer, surtout auprès des jeunes. C'est quelque chose qui est important pour moi, si tu peux peut-être changer la vision de certaines personnes, aider à motiver des jeunes. Puis encore une fois, des causes comme aujourd'hui à Hémo-Québec, les dons de sang, la collecte de sang, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Mais quand on pense, comme tu disais, un don de sang peut sauver 4 vies, tu peux vraiment faire une différence en juste en te déplaçant, en sortant chez vous, en 15 minutes de ton temps, tu donnes du sang. Tu as possiblement sauvé 4 personnes, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? L'objectif, on veut avoir au moins 200 donneurs. Donc, je pense qu'on avait réussi à en avoir dans les années passées. Cette année, écoute, on a encore une fois un bel événement. On a des cheerleaders, des meneuses de claque, on a touché la mascotte qui sont ici. On a plusieurs joueurs. Moi, je suis ici. On va avoir d'autres de mes coéquipiers. On essaie vraiment d'inciter les gens à venir, puis une belle ambiance. Les gens sont sympathiques, les bénévoles sont de bonne humeur, fait que c'est plaisant pour tout le monde. Bien, merci Étienne. En tout cas, vous remplissez bien votre rôle. C'est un beau geste. Et au nom de Mosun, des Alouettes et de tout le monde, merci. Andréane, ça fait longtemps que tu es cheerleader pour les Alouettes? C'est ma troisième année. C'est ta troisième année. Et je gage que ça fait plus qu'une fois que tu donnes du sang. Oui, c'est ma deuxième année. Bravo. Pourquoi c'est important pour toi de collaborer, de donner généreusement ton sang? Bien, quand je dis ça, je trouve ça vraiment fantastique. Quand même des gars, c'est très gentil, c'est très agréable. Au nom de toute la communauté qui en a besoin, merci. Oui, merci, hein, là, fais une entrevue, Daniel. Attends, là. Is she? And, pourquoi c'est important de donner du sang, Daniel, pour toi? C'est un geste simple, gratuit, puis ça va aider quelqu'un à pouvoir passer à travers des situations assez difficiles. Il y a toujours des amis qui ont besoin d'aide. Justement, nos collègues qui viennent d'avoir une grève la semaine passée. C'est des gestes qui sont simples, faciles et rapides. C'est la première fois que tu donnes du sang ou l'autre? Non. Ben, la plupart du temps, je viens ici. C'est facile, c'est sur la place. Ça se fait bien. Mais c'est pas un geste des fourmis. Mais les occasions qu'on a ici, ça aide à aller chercher nos employés. Participer davantage. Parce qu'on n'a pas tendance à aller sans cacher les stress. C'est ça. On a une belle occasion pour s'en occuper de le faire sur le stade. Ça,
c'est quoi le processus en fait? Qu'est-ce t'es arrivé ici tantôt et ton goût? Ouais, ben écoute, c'est bien organisé. Quand même un processus assez suivi et serré. Le questionnaire à rentrer pour une vérification et tout, la bonne personne qui est à la carte. Et un peu de ton historique de voyage. Les dernières années, évidemment, que les activités sont bien suivies. C'est 5-6 minutes de questions. Parce que tu passes 15 minutes ici. En une demi-heure, tu es capable de passer le processus. C'est pas aussi long que ça. Puis, donc, combien de temps à peu près que tu vas être branché ici? Madame, combien de temps? 5 à 10 minutes. Donc, avec le questionnaire, il n'y a pas d'attente. 5 à 10 minutes, ensuite, tu te reposes un peu, voir comme tu connais le sens. D'ailleurs, en temps d'une demi-heure, tout est bon. Dans mes plans, on a l'occasion de rencontrer nos favoris, nos alouettes. C'est le corps arrière? Oui, c'est le corps arrière, Mr. Banks. Mr. Banks. Okay. C'est le corps arrière, c'est le petit tube, il apprend beaucoup avec Anthony Cavino. Il a bien hâte de jouer. Puis les demoiselles qui étaient avec toi, c'était. Ils sont partis. Charmante demoiselle. Manus de Je sais pas si on a le droit de dire ça. Je sais pas. Je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour remercier tous les bénévoles qui ont bien voulu donner leur temps aujourd'hui dans le cadre du programme de bénévoles de Monson. On a une 20aine d'employés de Monson qui ont gentiment offert cette journée-là au bénéfice de tout le monde aujourd'hui et qui a permis de réussir une belle campagne, une 3e campagne consécutive avec les Alouettes de Montréal. Merci.